Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du YouTube Pagan Challenge. C'est la semaine 22 et le thème de cette semaine c'est créer ses propres correspondances. Là pour le coup c'est un thème qui me parle. C'est beaucoup moins classique mais j'aime bien. Donc est-ce que je crée mes propres correspondances ou est-ce que je suis des schémas qui existent déjà? Alors déjà je ne suis pas de correspondance. Ça va en choquer beaucoup. Il y en a certains qui vont se dire que je ne fais pas de vraie magie. Mais on me l'a déjà dit, vous en faites pas. Vous n'êtes pas obligé de le noter. Mais moi, je n'aime pas. Alors, j'aime pas les correspondances, c'est une grande phrase pour pas grand chose. Disons que ça m'embête de créer un système qui ne peut pas bouger. De se dire le vert c'est pour tel truc, le violet c'est pour tel truc, le orange pour tel truc. Moi par exemple pour un truc de guérison je mettrais bien jaune, orange et rouge parce que je trouve que c'est des couleurs chaudes, qu'elles apportent une énergie chaleureuse et que la chaleur elle peut soigner quelqu'un, enfin réchauffer intérieurement. C'est une énergie solaire, enfin c'est les couleurs du soleil donc ça fait un peu guérison etc. Et tout autant que moi je pourrais mixer des trucs comme ça au feeling selon ce qu'ils m'inspirent. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui suivent des pages de correspondance à la lettre. Moi, c'est pas un mythe quand je dis que j'improvise et que j'expérimente beaucoup. Je mets un peu ce que je veux où je veux. C'est-à-dire que quand je crée un sigil, par exemple, je vais pas utiliser tel symbole qui va avec tel truc. Par exemple, un truc de soin. J'improvise beaucoup trop pour. Pour me dire, je sais pas, un calice. Comment il s'appelle? Celui des médecins avec les serpents. Celui de Mercure, si mes souvenirs sont bons. Oula, c'est flou. C'est très lointain comme souvenir. Mais enfin, on va prendre un truc plus simple. Un truc plus simple. C'est compliqué quand on n'utilise pas de correspondance de trouver un truc simple. Eh ben non, je n'y arrive pas. La preuve que j'en utilise jamais. Enfin, je sais pas, quand certains vont mettre des runes ou certains symboles très particuliers, liés d'une certaine façon, faits avec une certaine couleur ou une certaine encre, avec telle plante dedans, faits tel jour, brûlés de telle manière, avec tel rituel. Moi, je vais avoir tendance à prendre un post-it, à griffonner. Par exemple, si je dois faire une protection pour un animal, j'en ai déjà fait une pour mon chat. Et ben, j'ai dessiné mon chat. Je vais vous le dire globalement parce que je vais pas vous faire la vraie synthèse du sigil. Faudrait pas que vous ayez non plus toutes mes astuces. Mais bah, bêtement, j'ai fait un chat avec une histoire de bouclier et des couleurs qui, moi, me rappelait le bonheur et la protection. Oui, je regarde en l'air depuis tout à l'heure parce que quand je regarde la caméra, ça me perturbe. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai mis en bouclier, en chat, des trucs de protection, un rond parce que j'aime beaucoup les cercles. Et bah, je l'ai brûlé et voilà. Donc, les correspondances, pas trop. Je sais qu'à une période, j'ai pas mal voulu le faire, prendre telle bougie pour telle utilisation. Excusez-moi. Prendre telle bougie pour telle utilisation, tel jour, avec une encre de cette couleur, avec. Puis je me suis très vite rendu compte que moi, ça n'impactait pas ma pratique de ne pas le faire. Ça ne me dérangeait pas du tout en fait. J'ai pas l'impression que. Qu'avoir. Je sais pas, que d'écrire un truc à l'encre bleue au lieu de l'encre noire, ça change énormément de choses. Et inversement proportionnel. J'écris des trucs au stylo bille. Alors que certains voudraient absolument de l'encre avec une plume ou quelque chose. Ou au feutre. Et ça, bon, pour moi, ça ne change rien. J'ai jamais ressenti de différence quelconque. Peut-être parce qu'il y a beaucoup l'intention qui rentre en jeu. Et que, à partir du moment où je veux faire quelque chose. Je pars du principe que je vais y arriver, même si j'ai pas tous les ingrédients, même si j'ai pas. Même si je prends un feutre, parce que pour moi ça change rien. Je vais y arriver. Donc, les correspondances, c'est pas mon truc. Donc, est-ce que je crée les miennes
Dans un sens, oui. Mais du coup, pas vraiment. Vu que les miennes, elles sont très chaotiques et elles partent dans tous les sens. C'est même pas chaotique en fait, parce que dans la Chaos Magic, c'est un peu créer son propre système pour l'utiliser de la manière dont on veut. Et moi, en fait, je n'ai pas de système. Parce que mon système, c'est que tout est viable à partir du moment où moi, je le ressens de cette manière-là. C'est donc encore plus flou. Mais ça marche bien. Donc je garde ça. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus du coup parce que c'est compliqué à expliquer, étant donné que j'ai pas de système fixe et que je fais tout au ressenti et selon la situation précise. Je respecte même pas les correspondances de jour. Je fais tout comme j'ai envie. Parfois, je décide de faire un rituel un lundi, puis je me dis, ouais, non, pas aujourd'hui, mais dans 2 jours, puis je le fais 2 jours après. C'est vraiment selon mon ressenti. Il y a des soirs où c'est les bons soirs, il y a des couleurs où elles vont marcher, alors que c'est pas du tout la couleur que je suis censée utiliser pour ce sort-là. Enfin, je fais vraiment au pif, et comme j'ai envie. Donc voilà, c'était ma petite, très petite vidéo sur les correspondances. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et amusez-vous bien.